Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, troisième vidéo sur la 140C CH Réseau. Vidéo qui va parler du détaillage du tender avec la pose d'une rehausse métallique axe modèle, deux charbons et des briquettes que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Alors, pour ce faire, j'ai déjà commencer à préparer les pièces de la rehausse métallique. Donc elles ont été à la fois soudées et certaines pièces collées comme préconisé sur le catalogue Axo Modèle. Donc pour moi qui suis un monteur de kit débutant, donc ça n'a pas trop posé de difficultés. Et après, cette rehausse donc, va se fixer directement sur le tender par collage. Donc, elle se colle ici, là, contre. Et après, là, il y a des petits retours qui seront collés aussi. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais encore limer un au maximum pour que ça soit le plus propre possible. Et après, je vais y passer un coup d'après Tamiya, avant de mettre une peinture noire mat et de la fixer définitivement. Alors je viens de peindre les deux parties de la rehausse. Vous voyez, en noir, noire mat, ça fait un peu satiné d'ailleurs. Alors, j'avais une chose que je n'avais pas vue au départ, c'est que l'angle, vous voyez, l'angle ici de la rehausse vient se coller contre l'angle, si je vois bien, voilà, ici. Et pour ce faire, il faut ici enfoncer le bout de la rehausse dans le, ici, à cet endroit-là. Attendez, si j'arrive à mettre mon doigt, là, voilà, ici, de part et d'autre, il y a une petite fente, très légère. Donc il faut enfoncer la rehausse qui va tenir et l'appliquer ainsi comme ça, et on pourra la coller, après elle bougera plus. Et ensuite, alors pendant ce montage, vous avez ici une petite bordure en haut qui est collée, celle du bout avec l'arrondi, j'ai été obligé de la décoller. Je la mets ou pas, ou si je la colle après. De toute façon, je les ai, voilà, elles sont là, les petites bordures là, en fond d'arrondi, parce que ça sera pas facile ça positionner, voilà. Mais en gros, voilà comment ça va se coller. Donc on va mettre un point de colle de part et d'autre de l'angle, et après avec une pince à lin, je pense que ça va tenir, et ici également comme ça, voilà. Donc ça va être la prochaine opération à réaliser, le collage. On va attendre que ça sèche, et après on pourra commencer à mettre le charbon. Alors pour ce faire, je pense que je vais démonter à nouveau la caisse du châssis, parce que je vais faire un collage type ballast avec un mélange colle à bois et eau et un peu de liquide vaisselle. Donc j'ai pas envie de créer un court-circuit vu qu'il y a la platine décodeur juste en dessous. Donc on va redémonter la caisse, faire le collage du charbon et des briquettes, et après on remontera le tout. Voilà le travail à faire prochainement. Alors voilà, la rehausse a été installée et collée sur le tender. Donc comme vous pouvez le voir, ça rend pas mal. On a l'impression qu'elle fait partie intégrante du tender. Et finalement, je préfère désormais un tender avec une rehausse plutôt qu'un tender sans, ça, parce qu'il paraît nu. Ça le transfigure quand même, le tender. J'en ai profité pour peindre aussi en rouge les petites manivelles, là, les boutons de serrage ou de déverrouillage. Et bien sûr, j'ai placé quelques briquettes qui vont me servir un peu à canaliser le charbon. Et j'en ai gardé d'autres que je mettrai un peu dessus, ou on verra encore sur les côtés. Et là, j'en ai mis des deux côtés. Et j'en ai profité aussi pour placer ma plaque de queue.
Voilà ma plaque de queue AxoModel. Alors pour ceux qui seraient réfractaires au montage de ce kit laiton qui est malgré tout assez simple, AxoModel vient de sortir en impression 3D une rehausse en bois. Donc ça doit être aussi pas mal, faut voir ce que ça peut donner. Je vous la mets là au-dessus de surimpression. Et bien maintenant j'attends de réceptionner mon charbon, que ça ne saurait tarder, pour pouvoir le placer et terminer ce tender. Alors j'ai préparé une petite forme en d'éperon que j'ai creusé pour que ça rentre, afin de ne pas non plus remplir tout de charbon, parce que sinon il en faudrait une sacrée quantité. Et je l'ai peinte en noir pour que ça soit quand même moins visible. Puis je l'ai collé. Et le charbon, alors moi j'ai trouvé celui-ci. C'est une référence Nord 09203. Alors ils disent pour le HO et le TT, mais bon apparemment il a l'air quand même assez bien, assez important. Et je trouve qu'il est même trop gros peut-être pour du HO. Voilà, donc je vais utiliser ce charbon que je vais vider dans le garnir dans le tender. Et après je mettrai de la colle à bois diluée avec de l'eau pour le maintenir. Alors je viens de poser le charbon, quelques briquettes éparses, et j'ai, à l'aide de ma seringue, j'ai mis mon mélange colle à bois, eau plus quelques gouttes de liquide vaisselle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour que tout soit pris afin de remonter le tender sur son châssis. Donc je pense que comme ça suffira en hauteur, parce que je ne vais pas non plus en mettre de trop. Et là, il y a déjà une bonne capacité d'emport avec la rehausse. Donc, je vais stopper et je vais refilmer demain lorsque ça sera sec. Alors, après une nuit de séchage, vous voyez, les traces de colle ont pratiquement disparu. J'ai juste encore un peu recollé une briquette là qui ne tenait pas bien. Mais sinon, voilà, ça rend pas mal. J'ai pu remonter la caisse sur le tender. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà une vue de l'arrière avec sa plaque de queue. Sur l'avant, j'ai accessoirisé un tout petit peu. J'ai mis une pelle à charbon. Un peu de charbon, j'ai recollé un peu de charbon ici, là, parce qu'il y en a toujours un peu qui reste quand vous voyez les photos des machines réelles. Et j'ai mis aussi un petit seau, parce que j'ai vu qu'il y avait souvent un petit seau. Donc j'en avais un dans mes affaires, ainsi que la pelle. Et j'en ai profité pour mettre cela. Voilà, désormais le tender est prêt à être attelé à sa machine. Alors la seule chose qui restera, ça sera à mettre les plaques photogravées. Mais si j'ai les deux pour le tender que j'ai commencé à peindre. En revanche, pour la machine, j'en ai qu'une. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'attends un peu d'avoir toutes les plaques? On verra. Sinon, il y a aussi les deux petites plaques constructeurs là, qui sont à mettre sur le tendeur. Ces deux petites plaques rondes là que je vous montre, qui sont à mettre et sur un emplacement qui est ici. Là, il y a un rond en surimpression. Voilà, il faut les coller ici. Donc ça, c'est ce qui me restera encore à faire pour parfaire ce tendeur, mais déjà là il est bien. Eh bien écoutez, cette vidéo se termine ainsi. Nous verrons la prochaine vidéo, la machine, l'essai de la machine. Enfin, on a enfin envie de voir cette machine un peu se dégourdir les bielles. Donc ça sera dans la prochaine et dernière vidéo sur cette 140C. À moins que plus tard je décide aussi de détailler la machine en elle-même. Il faudrait mettre une équipe de conduite, bien entendu. Et peut-être si je veux changer une ou deux pièces dessus, on verra. Ça dépendra. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé.